Bienvenue dans le 7 minutes. La compagnie ivoirienne d'électricité entame des travaux de maintenance renforcés. Des perturbations pourront être constatées jusqu'au 20 décembre dans certaines villes du pays. Opération de libération des grandes athères dans le district autonome d'Abidjan. Situation alarmante pour les commerçants d'Abobo. Les détails dans ce journal. Et puis la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO au cœur d'une rencontre à Abidjan. En on sait plus dans ces 7 minutes. Voici pour le sommaire. Bienvenue a todas e a tous. Abidjan, Boaké, Corogo, San Pedro et Yamoussoukro. Ces cinq villes accueilleront du 13 janvier au 11 février prochain les matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier du meilleur de la compétition, la Compagnie ivoirienne d'électricité a entamé des travaux. D'une durée de trois semaines jusqu'au 20 décembre, ces travaux de maintenance renforcés pourront créer quelques perturbations. Perturbations sur lesquelles la Compagnie reste rassurante. Pour la réussite de la Cannes, d'autres grands travaux ont été entamés, notamment l'accélération des travaux de la Y4, dont la livraison est prévue dans les prochains jours. Ils sont sonnés de libérer cet espace. Ibrahim et Israël occupaient les abords de cette voie menant à Abobo pour écouler les pièces détachées d'automobiles. Ils l'occupaient de façon anarchique depuis deux ans. Aujourd'hui, ils ne savent pas où aller. Alors, on ne sait pas où aller. Moi, meilleur possible. Tout le monde, merci Dieu. Bonne santé, on va trouver une solution. Si ce qui m'envoie, on ne peut pas aller dans le particulier. Le On sait pas où aller. Tout compte faire. Je peux rien faire. Rien ne peut contre la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu pour moi. Tout ce qui est m'arriver, arrivé, je ne peux pas échapper. Il faut que je passe, il faut que je passe cette voie. C'est ce, ce qui arrive là. Pour les aider dans leurs tâches, ces jeunes déscolarisés qui tentent de sauver le peu de marchandises qui restent avant l'arrivée du bulldozer. On a tous des jeunes, on a tous des jeunes à de commencer ici. On travaille, on voit tout là, là, là. on ne sait pas où aller. Moi, j'ai dégagé pour ouais. avoir ouais. un peu assez ouais. un peu. On s'est dégagé un peu pour avoir moins de 100 francs, 200, 300 pour à la famille. On n'en a, 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 a rien. On vient nous charger ce matin, les gars qui ne sait pas où aller. À l'initiative de cette libération du domaine public, le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, en collaboration avec les mairies des communes concernées, objectif, redorer l'image du district d'Abidjan avant la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il faut redonner fière à lui, à, à nos communes. Parce que quand on voit, avec tout ce qu'on aura comme, comme visiteurs, comme étrangers, Laisser ces artères-là dans cet état d'insalubrité n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. Donc cette fois-ci, nous avons pris toutes les mesures, que ce soit les mesures sécuritaires, que ce soit les mesures logistiques, pour qu'après le déguerpissement, ce, cet endroit soit rendu, euh, soit gardé propre. Les communes d'Abobo et d'Adjamé marquaient le début de cette vaste opération de libération des grandes artères. Elles sont 50 jeunes filles à avoir reçu des attestations suite à un programme de formation de six semaines. Elles ont reçu des prix lors de la cérémonie de clôture des ateliers élites au féminin. Nos sentiments sont déjà une grande joie et aussi nous sommes reconnaissants dans la, dans la mesure où c'était une véritable opportunité pour nous de bénéficier d'un tel programme 100% gratuit. De ces formations, nous pouvons retenir qu'il y a essentiellement des compétences qui sont indispensables pour le marché de l'emploi et il est opportun il est adéquat pour une personne qui vise une carrière professionnelle de se faire former afin d'acquérir ces compétences-là et être une plus-value pour les entreprises qui vont bientôt nous recruter. Cette formation permettra aux bénéficiaires de s'autonomiser et de s'insérer plus facilement dans le marché de l'emploi. Il y en a cinq ou six qui ont eu des, des, des entretiens en dehors de nos partenaires. Euh, comme vous l'avez entendu dans la salle, la BNI a déjà offert dix stages. Mais euh, veut bien en offrir plus. On a également un partenaire, une banque de la place, qui nous offre 10 stages. Euh, GNA qui est un de nos partenaires, qui offre deux stages. Euh, Abidjan Immobilier Services, un de nos partenaires également, offre euh, trois stages. On a, on, on a des partenaires qui ont offert euh, assez, 50 stages. Donc, euh, pour euh, donc, elles seront insérées. Elles, elles auront une chance de prouver qu'elles sont, elles, elles méritent une place, un CDD voire un CDI dans une entreprise de la place. Les ateliers élite féminin en sont à leur sixième programme d'accompagnement depuis 2021. Un atelier d'information sur les enjeux et perspectives de l'intégration régionale. Ici, à la représentation résidente de la Yao, on explique, on analyse et on expose de nouveaux projets. Objectif, faire des accords pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Voilà, il y a des programmes au niveau national, mais sur certaines ressources, nous sommes un peu courts au niveau rational, national. Et donc, les chefs d'État, en 1975, ont eu, par exemple, pour le cas de la CEDEAO, la bonne idée de demander à ce qu'on s'associe dans un ensemble qu'on appelle la communauté économique des États d'Afrique et de l'Ouest, pour pouvoir traiter certaines questions liées à notre destinée, comme le commerce, l'industrie, euh, l'énergie, l'agriculture et plein d'autres domaines, ensemble, pour fédérer les forces, euh, mettre en place la solidarité, la cohésion, pour pouvoir progresser mieux vers les objectifs. Aussi, faut-il ajouter, ces projets vont permettre aux populations d'avoir de meilleures conditions de vie et de travail. La nouvelle vision de la Côte d'Ivoire, c'est que ces populations soient prises en charge et seront prises en charge par euh, nos partenaires qui nous accompagnent dans la réalisation de ces projets de façon à ce qu'elles puissent avoir accès à un certain nombre de biens et services intégrés. À noter que ces différents projets sont menés par la Direction générale des politiques d'intégration. La structure veut ainsi investir dans l'intégration régionale pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, plus active et plus prospère. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette